Ok, je pense que cette vidéo va être difficile à tourner, mais je la fais quand même. Aujourd'hui, pas de jingle parce que c'est une vidéo, j'irais pas sérieuse, mais pédagogique, puisque non, je ne veux pas retirer mon voile, c'est pas du tout un objectif. Cette vidéo a pour but de vous donner des conseils, et tout part de cette phrase que j'avais entendue, que j'entends souvent, qu'on a entendue sûrement, vous avez vu des polémiques par rapport à une influenceuse ou plusieurs de votre entourage, de mon entourage aussi, que j'ai moi-même dites. Et cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit reprise par je ne sais qui, par des personnes malveillantes. Là, je m'adresse pas à un public général, mais je m'adresse à des filles, soit qui le portent, soit qui ne le portent pas, à qui je pourrais apporter des conseils dans le cadre de la religion. Ce n'est pas dans le cadre d'une objectivité, je ne sais quoi, pour un combat quelconque. Mais voilà, je tenais à faire ce petit aparté que je trouvais quand même important. Bien le bonjour, salam alaikum, moi c'est Asia. J'ai 22 ans et je porte le voile depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait déjà 4 ans. Donc pour vous faire une brève story, j'avais déjà fait une story time, une hijab story. C'était ma première vidéo YouTube, qui avait d'ailleurs incité pas mal de filles aussi à le porter. J'en suis très ravie, mais je ne suis qu'une cause parmi tant d'autres. Au final, vous pouvez être fiers de vous. Certaines aussi qui ont dû le retirer, certaines qui sont dans le doute, certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer. Pour vous expliquer en quelques secondes mon parcours, dans ma tête, j'allais jamais porter le voile. C'était même pas envisageable. Peut-être quand je serai mariée, peut-être quand j'aurai terminé mes études. En fait, je repoussais l'échéance où je voulais tout simplement pas le mettre. Et finalement, en grandissant, plus ma religiosité, plus ma foi augmentait. Et ça m'a paru tellement logique et simple de le porter. Donc c'était vraiment un souhait que j'ai porté vraiment pile à mes 18 ans, c'est-à-dire quelques jours avant mon anniversaire, en 2018. Nous sommes désormais en 2022. Avant de porter le voile, j'avais porté le turban. Pourquoi? Parce que ça me paraissait quand même difficile. Donc certes, il y avait énormément de critiques sur les réseaux, énormément de critiques dans la vraie vie. Ouais, si elle veut pas le porter, qu'elle l'enlève. Bref, les fameuses paroles, là. Déjà, c'est compliqué, tu sais, t'es dans un cheminement. Puis en plus, t'as des personnes qui te ressemblent, qui te critiquent, qui t'enfoncent, hein. Non, non, ce sont pas des personnes qui vont te prendre, te parler. Non, des gens qui t'enfoncent la tête. Voilà, toi t'essayes de sortir la tête de l'eau, eux, ils t'enfoncent. Voilà, génial. Mais c'est pas grave, j'ai tenu bon, puisque maintenant je le porte beaucoup mieux qu'avant et que je porte, voilà, le voile, on va dire, classique. Il y a plusieurs types de voiles en islam, selon les écoles, vous savez, les différentes écoles de jurisprudence. Je pense que le mépris et la haine s'accompagnent souvent d'ignorance, et je pense que si ces personnes ont été prises de mépris et de haine, c'est par pure ignorance. Dans la religion en général, plus t'en sais, plus t'es silencieux, parce que t'as peur du coup de dire des bêtises, puisque t'es conscient de ce que tu dis, et des répercussions, puis des conséquences. Donc moi j'avais porté le turban, ensuite j'avais porté le voile comme je le porte aujourd'hui, et puis arrivait un moment où je pensais que tout était acquis, voilà, j'avais ma garde-robe, j'avais aucune excuse, je suis à mon compte, aucune excuse pour le retirer. Je vais vous expliquer pourquoi personnellement j'avais envie de le retirer, pourquoi je comprends certaines influenceuses, et pourquoi je comprends beaucoup de femmes, sans pourtant le banaliser. En fait, je l'ai porté à partir de 18 ans, et vous savez, 18 ans, c'est l'âge un peu où vous recherchez. C'est l'âge où tu commences à devenir femme, ou peut-être que tu l'es déjà, selon certaines. Moi, je me trouvais un petit peu, pas enfantin, mais enfin, voilà, j'étais petite, je me recherchais un peu dans mon style, je me recherchais dans plein de choses. Et du coup, cette petite Asia, elle recherchait, si vous voulez, cet équilibre entre ce monde-là et le monde d'après. Parce que là, pour l'instant, on est ici, tu vois. On est ici, il faut vivre ici. Et il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Déjà, la condition de la femme dans la société. Je suis pas pro-militante féministe, pas du tout. Je parle juste d'un constat où chez l'homme, même s'il n'a pas un physique avantageux, on va dire que c'est un génie. Or, une femme va être souvent valorisée, que ce soit dans la musique, dans l'art, en tant qu'actrice. Ce qu'on va retenir, principalement, c'est sa beauté. Ce qu'on attend de la femme dans cette société, c'est la beauté. On parle souvent de beauty privilege. Donc en fait, on est dans quelque chose où, en fait, toi-même, t'as envie de te prouver en mode, hey, je suis quelqu'un dans cette société, tu vois. Je suis pas n'importe qui, tu vois. Je suis quand même fraîche. Moi, j'étais un peu dans cette optique-là. Je me suis dit, attends, si
toi aussi, tu dois prouver comme les autres que t'es belle, hein. Toi aussi, franchement, avec le recul, je trouve ça tellement bête, mais bref. Toi aussi, Asya, t'es quelqu'un. Et ça, mais qui c'est qui vous dit toutes ces paroles? Shaitan. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le voile, il la mochit pas. Mais il y a une réalité, c'est que le voile couvre une certaine beauté. Du moins, la beauté que la société attend de toi. La preuve en est que je me disais, bon, Asya, chez la femme, et ça, toutes les femmes qui portent le voile peuvent le confirmer, quand t'es pas maquillée avec tes cheveux, t'auras pas la même tête que si tu portes le voile et que t'es pas maquillée. Les cheveux, je pense que c'est peut-être 70% de la beauté de la femme. Limite, tu peux être mal habillée, tes cheveux ils sont propres, ils sont bien entretenus. Tu peux en plus jouer avec, hein, ça qui est génial. Tu peux jouer avec, tu peux faire des boucles, tu peux les lisser, tu peux faire plein de choses avec. Ça change ton visage, ça change quelque chose, ça prouve chez les gens quelque chose. Et en plus, tu fais ça jusqu'à trouver la coupe qui te va le mieux. Tu joues avec les couleurs, tu joues avec plein de choses, sur la matière, sur plein de choses. Et puis, bon, moi, du coup, je vais pas parler de mon cas, mais c'est vrai que ça change énormément. Et quand tu corresponds à ces standards et que lorsque tu sors, t'es pas maquillée et tu dois porter le voile, tu sais, t'es en mode ah, c'est difficile. Parfois, on peut te donner beaucoup plus jeune, on peut te dire ah, mais on dirait que t'es une petite fillette. Pour certaines, ah, mais ça te fait très âgée. Puis surtout, quand t'as pas un bon entourage, si t'en as un bon, c'est cool. Mais quand il est pas forcément sain, bah, tu peux te manger des piques aussi. Sur les réseaux aussi. Enfin, bref. Et puis forcément, tu vas être mis de côté parce que c'est pas ce qu'on attend de toi en tant que femme. Ok, donc là déjà c'est une chose. En tant que femme, tu vois, c'est difficile d'avoir cette place-là en termes de beauté. Même si je sais qu'il y a des filles qui vont dire, non mais Asya, t'es très belle avec le voile. Ok, tranquille. Mais tu sais, dans les moments de doute en tant que femme, quand tu te regardes dans la glace, voilà ce que t'en conclus. Moi, c'est ce que j'en ai conclu. Et certaines vont s'en reconnaître, je suis sûre et certaine. Franchement, c'est un mini combat. Pour certaines, c'est très simple et c'est évident. Et franchement, chapeau les filles, vous êtes trop fortes. Il y a certaines filles, oui, et je peux le dire, qui sont éprouvées par leur beauté. Et ça, je le vois dans mon entourage. Je connais des filles. Allah Iberek, je veux pas leur porter l'œil. Des beautés sans nom. Les filles, c'est. Je saurais même pas comment vous décrire, c'est des beautés qui sont incroyables. Même, tu sais, sans maquillage, sans rien, elles sont belles. Elles ont des beaux traits de visage, elles ont. Machallah, elles ont tout pour elles. Physiquement, il n'y a rien à dire. Elles rentrent dans les codes, tu vois. Et le voile est une obligation, il n'y a pas de débat. Pour elles, tu vois, c'est. C'est difficile et en soi, t'es éprouvée en fait aussi par ta beauté. Pour certaines, c'est un sacrifice pour Allah, d'autres, elles remplissent juste leur obligation. Je partirai même pas sur un point où je vais juger une personne pour ça. Je jugerai même pas une personne par rapport à ça. T'en sais rien? T'en sais absolument rien? Peut-être qu'elle est dans un entourage, personne le porte, elles ont pas de représentation. Peut-être que certaines les découragent dans la vraie vie. Leur travail leur permet pas. Je dis pas que c'est une excuse. Mais j'essaie de trouver un bon soupçon, entre guillemets. J'avais ce truc où, tu vois, le shaitan, il jouait un petit peu avec moi, où il me disait, Asya, enlève-le. T'es mieux sans. Bah attends, Asya, t'es mieux sans. Pourquoi tu gâches tout avec? Puis ensuite, heureusement pour moi que j'ai un bon entourage, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'était des moments où, je crois que c'est Allah vraiment qui me prouvait, qui m'éprouvait, pardon. J'avais toujours des polémiques sur mon voile. Je poste une photo, on parle de mon voile. Je te parle de sujets politiques, tu me parles de mon voile. Quand je dis te, c'est à certaines personnes. Je te parle, je sais pas, d'équitation, tu vas me parler de mon voile. Et en fait, je me retrouvais dans quelque chose où je veux répondre à une obligation. Quand tu le portes pas, t'es en mode. Ah, on me reconnaît même pas comme musulmane, c'est une dinguerie, tu vois. Et dans ma tête, dans ma conscience, j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc de fou? On me reconnaît même pas comme musulmane. Ça m'a mis un. Tu vois. Et d'un autre côté, quand tu le portes, t'as pas envie qu'on te réduise à ton voile. Du coup, en fait, tu vois, t'es entre deux. Et dans la vie, tu peux pas tout avoir. Ben, j'ai pas envie de le porter parce que j'en ai marre qu'on se mêle de la relation intime que j'ai avec mon Seigneur. J'ai pas envie qu'on s'en mêle, en fait. J'ai pas envie qu'on juge mes actions avec ça. Parce que ça donne l'autorisation à tout, j'ai l'impression. Et en fait, ça donne le droit à n'importe qui de parler sur ta relation que t'as avec ton Seigneur. Alors que c'est quelque chose de très intime. T'as touché du plus profond que j'ai. Et heureusement, avec le temps, j'ai pu avoir du recul. Ça, je vous conseille aussi d'avoir ce recul-là. Et tu t'en fous des gens. Au bout d'un moment, tu t'en fous des gens. Moi, je me suis dit, là, maintenant, si je meurs. Là maintenant, si je meurs, ok? Genre, si j'avais pas mon voile,
Franchement, ça me donne envie de chialer. En fait, je me dis là, si je meurs maintenant et je retire mon voile, c'est pas tous ces gens qui ont parlé qui vont me sauver. C'est pas tous ces gens. Ces gens-là, ils ont parlé sur toi, ils t'ont critiqué par rapport à ton voile, ils t'ont jugé, ils ont parlé de la relation intime que t'as avec ton Seigneur. Et toi, en plus, ben, de leur côté, forcément, il y a Shaitan, tu vois. Donc toi, tu vas les écouter. Mais qui va t'aider? Personne, finalement. En fait, t'es seul avec tes actions, c'est tout. Moi, c'est ça que je me dis. C'est ça que je m'étais dit. Je me suis dit, Assia, tu peux pas l'enlever. Assia, t'es allée jusque-là pour l'enlever. Tu peux pas, Assia. Tu peux pas. Et il y a un truc qui m'a bloqué. Je me suis dit, Assia, tu peux pas l'enlever. Tu vois? Parce que c'est difficile, vous savez, genre, tu sais, t'es là, tu parles à quelqu'un, il regarde ton voile, c'est fatigant, c'est usant, et t'as pas envie d'être réduit à ça. T'as envie d'être une personne normale. Mais d'un autre côté, faut penser à l'autre monde. Et tu te retrouves dans un truc, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Moi encore, ça va, c'est plus mental, on va dire. C'est des critiques, ce sont plein de choses, mais je vous en jure, tous les jours, c'est difficile, hein. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais c'est difficile. Certaines vont me dire, ben retire-toi des réseaux. Mais les gars, chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans un monde, faut se retirer. Et quand il se passe quelque chose de mauvais dans le monde, faut se suicider. Jusqu'à où? Vous comprenez ou pas? Donc ça, pour moi, c'est même pas quelque chose qui est plausible. Non. Mais dans la logique des choses, c'est ce que je me dirais. Et c'est quelque chose que je pense j'aurais fait. Si je le retire, mon voile, je me serais retiré des réseaux. J'allais chialer, mais j'ai tenu. Parce qu'en fait, pour moi, c'est des choses hyper intimes et je parle pas toujours de religion, mais quand j'en parle, moi, ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc, s'il y a des filles là qui sont dans le même cas que moi, vraiment, dites-vous une seule chose. Pour celles qui croient en notre religion et en Allah, c'est. Faut juste revenir à la base des bases. Pourquoi on est sur cette terre, tu vois? C'est des questions simples, hein. Pourquoi t'es sur cette terre? Pour faire quoi? Pour aller où? Imaginons, vous savez quoi? On va faire un test. Ok, vas-y, je l'enlève. Ok, vas-y, je suis une bombe atomique. Vas-y, je suis hyper fraîche. Je m'habille bien, je me mets bien, je fais mes meilleures photos Insta. Tout mon entourage qui me dit que je suis belle. Je reçois les compliments tous les jours. Mon ego, mon ego, mon ego. Ok. Le fond du fond, c'est quoi? Le fond du fond, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que t'as gagné au final? Tu vois, c'est ça que je me disais. Je me disais, ok, Assia, tu l'enlèves. Ok, vas-y, t'es la. Mais, et même si, vas-y, t'es la plus fraîche du monde, ok? T'es même Miss Monde. Ok, t'es Miss Monde. Vas-y, t'es Miss Monde, t'as la couronne. Yes. Ok. Et quoi? Quand tu seras dans ta tombe, mais qu'est-ce que t'en as rien à faire de faire Miss Monde, tu vois? Je critique pas la Miss Monde, hein, mais je prends un exemple. Ou Miss, je ne sais pas. La plus belle de chez moi. Au final, devant Allah, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Du coup, par contre, j'ai pris plein de péchés. Et j'ai en plus rien gagné. J'ai parlé avec des filles qui l'ont enlevé, vous voyez, et ce sont des filles d'ailleurs qui m'ont motivée à le garder, des crèmes. Oui, elles l'ont enlevé, voilà, c'est leur choix, mais elles ont tout fait pour que je le garde. Elles m'ont dit, Assia, genre, tu sais, nous, moi je l'ai enlevé et elle m'a dit, limite, je pourrais même pas le remettre. Parce qu'en gros, elle m'a dit, ça m'a fait trop de peine. Elle m'a dit, t'es dans un engrenage où t'as l'impression que tu peux même plus revenir en arrière. Et je dis pas ça pour inquiéter les filles qui l'ont jamais porté de le mettre et qui peut-être l'enlèvent et peut-être vont jamais le remettre, bref, que moi pour moi c'est pas un frein. Mais elles m'ont dit en fait tu développes une sorte de. Pas une haine, mais. Pour ça que vous voyez la plupart des filles qui l'enlèvent en fait elles font toutes les bêtises, entre guillemets, hein, je parle de la religion, qu'elles ont pas pu faire. Elles vont sortir dans des endroits qui étaient pas, qu'elles pouvaient pas parce qu'elles avaient leur voile. Fréquenter des personnes qu'elles pouvaient pas parce que bah ça, on s'en rend pas compte, hein. Mais ça vous fait un bon entourage en général. Ça vous écarte des mauvaises personnes. Ça te rapproche d'Allah, tu vois. Et en fait, quand tu poses le pour et le contre, mais le pour, il dépasse tout ce qui est mauvais dans ce monde. Et au final, qu'est-ce que ce monde? Encore une fois, tu sais, tu reviens aux mêmes questions existentielles. Et finalement, moi, je l'ai gardé. Pour moi, c'était une évidence. Ça a reconfirmé mon choix. Ça a reconfirmé mes décisions. J'ai dit, ok, déjà, je pensais ça. En plus, là, je le sais encore plus en grandissant que j'ai fait le bon choix. Pour moi. En fait, je me dis, vas-y, j'enlève, je suis la plus belle et tout, ok. Et je meurs. La beauté, elle est partie. Il n'y a que ton squelette. Tu vois? Tu t'en fous à ce moment-là d'être belle. T'en as rien à faire. Désolée, des fois, je peux avoir les yeux qui
brille parce que ça m'émeut. Bref, en vrai, moi je me suis dit, ah si, vas-y, là t'es là au fond de ta tombe, mais genre on fait des doigts pour toi et tout. Et tu l'as enlevé juste avant. Mais quel échec! Tu vois, c'est ce que je me dirais si je me regarde devant la tombe. Je me dirais genre, quel échec, Asya. T'es allée jusque-là, tu vois, t'as pu le mettre. Ça m'émue de ouf. T'as pu le mettre, t'as vécu plein de choses. Et au lieu d'avancer, ben toi, tu recules. C'est ce que je me suis dit, mais... Pauvre de moi, si je l'enlève, pauvre de moi. Je l'ai pas enlevé, là, je suis contente. Mais pauvre de moi. Et qui dit que demain aussi, je peux l'enlever, hein. Et je pense que les gens aussi... Bah, on sait jamais, hein, on connaît pas la date de sa mort. Qui dit que demain, ben, je meurs? Qui dit que demain, je l'enlève? Et que devant ma tombe, on me dit pauvre Assia, quoi. Après, il y a plein d'actions, hein. Je dis pas que c'est Loal qui va te sauver de tout. Je dis juste que ça entraîne tellement de choses. En fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Et moi, je me suis rendu compte que ça me protégeait d'énormément d'endroits. Ça me protégeait d'énormément de personnes. C'était un bouclier. Je montre ce que je veux aux hommes. C'est moi qui décide. Et c'est la preuve que c'est un choix. Et j'ai pas approuvé par rapport à ça de toute manière. Donc ça, c'était les deux principales raisons pour lesquelles je voulais la retirer. Et je vous promets que je pense que c'est... C'est pas je pense, hein. Je suis persuadée. Je vous dis ça en grandissant. J'ai 22 ans. Je suis quand même jeune. J'ai encore plein de choses à vivre. J'ai encore plein de choses à voir. Si Allah me le permet, si mon Seigneur le permet. J'aime bien faire des métaphores. C'est comme si une personne, elle te prête quelque chose et elle t'en dit, fais-en bon usage. Si tu fais les bons choix, bah, la chose, elle reste intacte. Si tu fais les mauvais, elle va devenir mauvaise, comme le cœur. Si ton cœur, tu l'imprègnes de plein de choses, de bonté, de tout ce qui l'accompagne, parce que le voile s'accompagne de plein de choses. Moi, ça m'a... En fait, quand j'ai vu comment j'ai évolué grâce juste à... On se rend compte, c'est juste un tissu, mais ça m'a rendue hyper douce. J'aime la personne que je suis devenue. Et j'espère le devenir encore meilleur. Il m'a évité beaucoup de choses, il m'a évité de faire des choses mal, il m'a appris, il m'a donné confiance en moi. Non mais c'est trop beau. Moi je regrette absolument pas mon choix. Qu'Allah nous facilite à le garder tant qu'on le peut. Peu importe votre situation actuelle, peu importe que vous l'ayez porté, vous l'ayez reporté 50 fois, vous... Bref. Peu importe votre situation, on s'en fout, s'il vous plaît, de ce que... Les gens pensent. Mettez-vous juste devant Allah. Tu vas revenir vers lui. C'est qui? C'est lui qui t'a envoyé sur cette terre? Tu vas repartir avec lui. Pas avec ton entourage ou ton mauvais entourage. Pas avec les gens sur Internet. Juste toi et ton Seigneur. Fin de l'histoire. On s'en fout des gens. C'est facile à dire. Je sais que c'est très facile. Parce que moi-même, j'ai le retiré, tu vois. Pourtant, ces idées, elles sont bien imprégnées. Hein. Mais évidemment, on n'est pas à l'abri des mauvaises pensées. On s'en fout des gens, ok? Genre vraiment, pensez juste à vous. Soyez égoïste sur ce point-là. Et entraînez aussi votre entourage dans ça. Dans les bonnes choses, pas que sur le voile. Voilà, moi c'est un conseil en général que je donne. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause sur cette vidéo. Je vais appeler juste quelques amis pour savoir, elles, ce qu'elles avaient comme conseil à vous donner. Moi, pour ma part, du coup, bah, comme je vous dis, moi ça y est, je suis convaincue. Et mes copines, elles ont trop les meilleurs conseils. Hello. Hello, salam alaikum, tu vas bien, Néné? Walaikum salam, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder? Yes. Ok, alors je t'explique. Actuellement, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Je donne un maximum de conseils et tout. Et en fait, je voulais bien que tu donnes toi quelques conseils. Je te laisse le micro. Pour les filles qui veulent enlever le voile, en fait, il faut toujours, toujours, toujours se rappeler de la raison pourquoi on le met. C'est compliqué, je vais pas mentir en disant que c'est facile, parce que même moi, j'ai déjà eu des périodes où bah, j'étais tentée de l'enlever et je me disais, oh, vas-y, c'est compliqué, je peux pas mettre forcément certains vêtements, etc. Mais en vrai, c'est des pensées qui... Voilà. Faut les oublier, faut pas les calculer, faut pas les calculer. Et puis au final, la récompense qui va venir derrière, mais elle va au-delà de ce qu'on imagine. Ouais. Donc vraiment, faut pas lâcher, c'est compliqué. Mais faut aussi s'entourer de bonnes personnes qui vont t'encourager à le mettre et à le garder surtout. Parce que c'est facile de le porter, mais le garder, c'est un combat, mais c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Super, merci beaucoup Néné, t'es un amour. Ah, yes, un autre appel. Allô? Allô, salam alaikum Samia, tu vas bien? Ça va et toi? Je crois que ça fait 15 ans que je le porte. C'est difficile, oui, mais en fait, c'est un combat envers moi-même. Et pour moi, en fait, perdre ce combat, ce serait donner raison au shaitan. Ça veut dire que tout ce que j'aurais fait,
ça n'aurait servi à rien. Et aussi, c'est un combat qui fait que je me sens bien avec moi-même. Si j'ai fait ces choix dès le départ, c'était pour me sentir bien et en accord avec moi-même. Donc, j'ai pas envie de repartir dans la Samia qui n'était pas bien, qui se recherchait, etc. Je l'ai mis pour Dieu. Je le retirerai pas pour Shaitan. Ah, c'est beau ça. Salam Alaikum. alaikum, comment tu vas? Ça va, alhamdoulaye, toi? Bah, attends, je suis heureuse, là, je suis plus qu'heureuse. En quelques mots, quel conseil tu sais tu pourrais donner aux filles? Et moi, je porte le voile depuis l'âge de mes 15 ans. Donc, c'est vrai que je l'ai mis à une période où il y avait. Enfin, c'est un peu. Bah, non pas un phénomène de mode, mais on l'a tous un peu porté au même moment, les filles de ma génération. Et tu vois, il y en a qui l'ont porté pour des raisons religieuses, d'autres pour d'autres raisons plus culturelles. Et moi, tu vois, je l'avais porté vraiment pour des raisons religieuses. Et pour moi, c'était à un moment donné l'accomplissement de mon processus, mon cheminement spirituel. Ouais. Mon processus spirituel, pardon. Je vais pas te mentir, à plusieurs reprises, je me suis posé la question de est-ce que je ferais pas mieux de l'enlever parce que c'est compliqué, on vit dans un contexte géopolitique un peu tendu. Donc à plusieurs reprises, moi franchement, je me suis posé la question de est-ce que je le garde, est-ce que je l'enlève? Et tu vois, on est pris dans la tourmente parce qu'on se dit est-ce que c'est comment dire? Si je l'enlève, pourquoi je l'enlève en fait, tu Ouais. vois? Et en fait, je me suis rendu compte que si je l'enlevais, c'était plus pour répondre aux gens, au bon vouloir des personnes qui veulent que je l'enlève, à savoir la pression sociale, savoir les médias, savoir tout plein de choses. Et je me suis dit, je me recentrais sur l'essentiel. À chaque fois, je me dis, pourquoi tu l'as mis? Ouais. Tu l'as mis à un moment donné dans ta vie où tu as cheminé spirituellement et que tu essayais d'évoluer dans le bon sens et que tu l'as mis pour Dieu. Et si je l'enlevais pour les personnes et non pas pour moi, enfin non pas pour enfin c'était pas pour les bonnes raisons que j'enlevais, tu Oui. vois. Dans le doute que vraiment elles reviennent sur la raison pour laquelle elles ont porté le voile. Voilà, de se centrer sur l'essentiel et de se dire si on l'enlève, si c'est pour répondre à voilà parce qu'il y a une pression, etc. Je pense elles doivent revenir sur l'essentiel, tu vois. Quand elles vont se rendre compte qu'elles ont mis pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la religion, à ce moment-là, le voile, il a plus de signification et du coup, elles sont moins tentées de l'enlever, tu vois. Et comme ça va, et toi? Ça va. Est-ce que je peux prendre une minute de ton temps? Vas-y, vas-y, On dirait dis-moi. les comptes CPF là. Appel CPF là. Est-ce que Oui, je peux prendre... c'est. Je te laisse parler, je te laisse Ouais. le micro. Partir du principe où on aura toujours des waswas, genre. C'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que quand tu le portes, faut pas partir du principe où tu vas forcément l'accepter directement. Ça prend un peu de temps, et parfois en fait c'est un peu les montagnes russes, tu vois. Genre, il y aura des moments où genre tu pourras, enfin, t'auras une foi inébranlable. Il y a des moments où tu seras en plein doute, mais je pense que c'est comme dans tout dans la vie en fait. T'auras forcément des waswas dans tout. Ouais. Donc ça c'est, en fait, faut pas s'arrêter à ça. C'est pas une fin en soi. Aussi après il y aura toujours en fait l'envie de vouloir utiliser aussi un peu son voile. Et genre pareil, faut pas non plus céder, tu vois. Genre faut s'accepter en fait et se sentir belle aussi avec. En fait, tu sais, il y a un blocage mentalement où elles se disent, non mais de toute façon, je suis dégueulasse avec toi. Rentrer dans le discours, ouais, on peut se sentir belle avec, on peut le styliser, etc. Parce que tu peux vite tomber dans le genre le fashioniser, tu vois. Et ça, c'est pas le but. Mais Ouais. je veux dire, tu peux te sentir à l'aise avec des couleurs qui sont neutres, tu vois, mais que tu vois bien raccordé. Par exemple, tu peux mettre un voile d'une telle couleur et une abaya d'une autre couleur et que ça soit bien accordé et que tu te sentes bien avec, tu vois. Le cœur principal de notre démarche, c'est vraiment genre la foi, tu vois. Genre, t'as confiance en Allah, t'as foi en lui et tu sais que c'est la meilleure des choses. Donc, à partir de ce moment-là, tu pourras. En fait, je veux dire, c'est comme un rempart face à tout, tu vois, autour de, ben, par exemple, de tes waswas, de la pression que tu peux subir familiale, médiatique. On relativise beaucoup, beaucoup plus avec notre croyance, tu vois, qu'on croit vraiment de manière ferme face aux épreuves de la vie, tu vois, dont ça, hein. Dont... Parfois, t'as des épreuves et tu sais, tu remets tout au voile alors que ça a aucun rapport. Tu sais, ouais, C'est s'il ça. m'arrive ça, le voile, non, non, non. C'est vrai que j'ai oublié de dire ce point aussi, mais je pense qu'il faut aussi, ouais, t'as C'est raison, ça. relativiser et pas tout remettre la faute sur le voile. Et dès que t'as une épreuve, t'as envie de le retirer. Ça doit même pas être une. Et si on subit justement, en fait, il faut se dire, il faut partir du principe qu'à partir du moment où tu subis des choses, des épreuves par rapport à ton hijab, tu vois, mais en fait, il faut le prendre comme voilà, c'est mon épreuve et je vais tout faire pour la surmonter et après, je vais m'en sortir. Ça se trouve, demain aussi, je vais douter encore plus, tu vois. Comme je te dis, c'est pas une fin absolue, en fait. Merci beaucoup Merci de la Lina, vraiment t'es un discipline. amour.
Merci. Du coup, vous avez eu les petits conseils de mes copines. J'espère que, franchement, elles sont de super bons conseils. Elles m'ont grave boosté. Je me souviens quand je voulais le retirer. Et vous voyez, on est tous passés par des épreuves différentes. D'autres, elles sont éprouvées par le travail, d'autres par les écoles, d'autres par leur famille. Et vraiment, mes copines, elles ont chacune leur histoire et moi aussi. Et c'est cool parce qu'on se comprend sur ces points-là, mais on fait tout, voilà, pour s'entraider dedans. J'espère qu'on vous a aidé à vous booster aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a servi, vous servira et me servira également. Je vous souhaite que du bonheur. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine.